l'autorité qui a pris l'avantage et qui se dirige seul en tête vers l'intersection des pistes. Apollo Dallis est toujours deuxième, lutte avec Akrim Minamiroduel qui essaie de garder le contact et qui est un petit peu en difficulté à cet instant et qui précède à tout prix. Faute à Grimpin, faute du 7 à Grimpin qui disparaît à son tour. Akrissima, seul en tête, qui semble bien contrôler les opérations, même si Eric Raffin doit se montrer vigilant. Deuxième position, il y a au long de la liste en troisième place. Désormais à Miro de Well, de droite, Cliff et à Kripik qui a été relancé. Les droites finales pour la seule et unique Akrissima et Eric Raffin qui se montre extrêmement vigilant sur son dos mais qui a nettement la mesure de ses adversaires. Apollon de la liste est deuxième attaqué par Miro de Well et Akrippin qui revient. Akrissima qui a toujours le meilleur à 200 mètres du poteau dans le prix de Vincennes. Akrissima de loin devant Apollon de la liste, Miro de Well et Akrippin qui lutte pour la deuxième place. Akrissima qui prend le poteau. Course, le prix de Vincennes. Une enquête est ouverte, notamment sur les allures des chevaux suivants. Le numéro 11, Akrissima, arrivé premier. Eric, ils ont joué avec ton cœur à l'arrivée? Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont fait peur, quoi, mais sur le coup, en direct, moi, de dessus, j'ai eu des très bonnes sensations toute la ligne droite. Merci, Laurent. Dans les tournants, c'est vrai qu'il y a eu un petit passage un peu douteux, mais dans la ligne droite, la jument, elle a plus à faire ça en se reprenant, donc elle se pousse un peu moins bien. Mais c'est la meilleure qu'à gagner, donc il n'y a pas de drame. Ouais, en haut de la côte, l'accélération, c'était beau. Ouais, dessus, il y a des grosses sensations. De toute façon, elle a toujours été très très estimée par son entourage. Et là, ils m'ont encore dit que c'était une grande jument. Maintenant, il faut régler les deux trois petits boutons. Mais c'est des grands chevaux, ça. C'est par superstition que tu n'as pas voulu prendre la photo? Non, moi je voulais la prendre, c'est le patron qui n'a pas voulu. Toujours agréable. Moi, je ne suis pas un spécialiste de course hippique au Japon. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir pour moi de venir. Michel, il veut me sortir. Et tu sais, je me bats. Après, il est parti par le vent. Et par absence, comme je disais tout à l'heure. Et pour finir, je te jure, je ne peux pas la lâcher. T'as vu la vitesse que je fais pour finir. Alex, la faute, elle te coûte cher en haut de la montée? Bah ouais, parce que si je suis botte-botte avec Eric dans le dernier tournant, elle a son mot à dire pour la victoire, la jument. Elle fait quand même une super valeur, peut-être la meilleure valeur de sa jeune carrière? Oui, parce qu'au printemps, c'est une jument modeste et elle est revenue à l'automne, elle avait pris beaucoup de force. L'autre jour, elle a joué de malchance, mais elle a gagné le dernier préparatoire quand même. Et puis là, ouais, je vous dis, alors elle était pour la victoire, donc vraiment, c'est sûr que c'est la meilleure valeur de sa carrière. On peut dire une satisfaction et des regrets? Ouais, voilà, on peut dire les deux.